Ok, est-ce qu'on peut prendre l'info sans... Le D-Trade! Cutez-le! Cutez-le, je vous dis! Let's go! Let's go! Oui, mon capitaine! Oh, ça me fait du bien! Oui, cutez-le! Bonjour, bonsoir! Bonsoir à toutes et à tous! Ce soir, match assez important. On va jouer contre Valiant. C'est un match qui nous permettrait d'aller à la 5ème victoire. Et pourquoi 5 victoires, c'est important? Parce qu'il y a 9 matchs aller. Donc si vous en mettez 5, ça veut dire que vous avez gagné les matchs. Allez, on va jouer sur Péarl. Alors si je vous montre Péarl, ça veut dire qu'on va encore avoir Hip malaisant avec son Arbor, met des vagues partout et fait pleuvoir sur la map. Voilà, c'est parti, let's go! Hip malaisant fait chier tout le monde avec ses vagues de merde. Allez hop, voilà, fallait pas tirer. Attention, dans le corner. On l'a vu, il est flashé, aidez-le. Voilà, let's go, Kadabra qui prend le kill sur sa cake. Et nous avons le contrôle du site. Attention, c'est pas gagné. Moi VLNT, je vous dis, tant qu'il y aura un joueur en vie, je dirai jamais que c'est gagné. Mais on trace les joueurs, bien sûr. On sort avec la flash et c'est un triplé. Il va faire un petit check, normal. Ça va check surtout avec le radar, hein, parce que là, les yeux ne sont pas assez rapides. Normalement. Alors le but, c'est de perdre le moins d'armes possible. Ouais. Ok. M'entendez le chat? Allô, vous m'entendez là quand ça tire un petit peu comme ça? Akuma et Ghoster qui ont fait les deux premiers kills sur Lynn et sa cake. Vas-y, tire, hein. Bombarde-leur la gueule. Après, il a 45 HP, bon. Faut perdre le moins d'armes possible. Ok, Akuma qui a réussi à avoir Jesse. Attention, ça va lui tourner dessus! Oh non, on a perdu une arme. Eh? BG, Kadabra! Ok, on est en écho. Oh putain, Yves, t'es mort. Voilà, ciao! Allez, foncez-leur dessus! Voilà, let's go! Ah, ça pose quand même derrière. Est-ce qu'ils vont le cancel? Non. Ok, on a planté! Oh, la brochette bulldog d'Akuma, attention! Bon, let's go! Et ça s'est bien aligné, ça fait bien plaisir. Big Fist qui revengera derrière sur Neskas, le 3-2, qui fait du bien. Alors forcément, on va jouer sur le B, mais attention, il faut vite entrer sur le site. Vite. Il faut vite planter. Ah, c'est une catastrophe ce qui se passe, parce que là, il faut qu'on plante pour notre opérateur. Ouais, ça va être dur, hein. On l'a pas. Situation impossible. Et un opérateur, ça pourrait surprendre. Oh! Oh, Big Fist, mon gars! Oh, Big Fist, mon gars! Allez, à deux, let's go! Nice! Kadabra qui ne s'est pas montré. Oh, s'il te plaît. Oui! Putain, la légende! La putain de légende! Vous m'entendez? Oh! Oh, la vilaine flash! Oh, la méchante flash. Oh, les deux petits loups qui se croisent. Yo, mec. Ouah, ça pulvérise des smokes. Il ne restera que 6 mobs qui se fera pulvériser. Ghoster, ça va ou pas? Leur setup a bien fonctionné. Hop. Ça me régale, mais ça va être dur quand même. Ok, Hip qui fait le deuxième, légendaire. Situation de 3v2, au moins ça plante. Alors qu'ils étaient 2v5, hein. Ils étaient 2v5. Ouf, Big Fist qui a mis un sale double. Non. Ah ouais. Mais Big Fist, mais putain, le putain de légende, de putain. Mais c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire, rendez-vous compte, que vient de faire Big Fist. Il est en gros air placement en plein milieu de la smoke et là il appuie sur mouse. Ah, il fait le headshot parce que le gars est sur son viseur. Allez, vas-y. Ah, bloom. Il est flashé. T'inquiète. Voilà. Akuma qui a fait le kill en plus au classique. Hip qui fait le kill au classique. Va chercher-le. Allez chercher. Let's go. Ok, 3v1. Mais attention, Big Fizz et Hip ont peu d'HP. Ouah, J'ai rien dit du tout. Putain, on a gagné une écho alors qu'on était en B. Oh my godness, oh my damn. Bon, 12-6. Oh, les bras levés. Let's go. Ah, petite flash. Ça peut marcher. Ok. Time after time. On a le spike. Du calme. Ah, il est trop malin. Le cerveau est gigantesque. Le cerveau est titanesque. Le cerveau est colossal. Ok. Chill. 1v2, on n'a pas l'info. L'ulti s'en va. Ouais. Petite bouboule, ça permet de prendre la moitié. Il roule, il est trop intelligent. Ah ouais. Le round n'est pas.
gagner grâce aux doigts, grâce aux phalanges, grâce aux ongles, grâce aux poils, grâce à la sueur, le round est gagné. Grâce au cerf... Chill. Le round est gagné grâce au cerveau. J'ai mis le maillot, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Et ce soir, notre adversaire, l'équipe qui a fait le plus parler d'elle dans notre ligue à nous, les anciens SBG renommés plus récemment en Gentlemates ou M8, 9 matchs allés sans défaite au split précédent. Et là, qui a fait 2 défaites sur ses matchs allés. Donc, il fait un peu moins bon début de saison. Ils sont quand même à 6-2, donc tranquille. Qui d'autre est à 6-2 dans la ligue? Voyons voir. Alors, attends, il y a eux et il y a... Oh, bah y'a nous! Y'a nous aussi! What the fuck les amis! Non, j'ai pas fait exprès! Y'a nous aussi! On va jouer sur Split! Ça a été choisi par Mandatory à la suite des bans. Je vous cache pas, c'est un gros morceau le match qui va arriver. Les bras en l'air! Non, bien sûr que non. Trop tôt. On est en attaque! C'est parti! Ça go! Pas de stuff a priori, il faut revenge sur Logan! Ok, c'est bon, un pour un. Big Fist, il va devoir faire une grosse opération. Oh là, il l'a... Oh! Il le tue quand même! Alors qu'il l'avait sound! Oh, ça me plaît! Ça me plaît ce qui se passe. Les infos capturées. Oh putain, il l'a tellement amoché. Ça me va, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup. Ok, il a donné l'info quand même. Il me fait le kill. Et voilà, c'est fait. Le pistolet est gagné. Faut absolument faire des kills. Si on fait pas un kill très rapidement, ça va être la oméga merde. On est dans la smoke. Ok, il y a eu un kill. Mais il y a des gens derrière qui commencent à se montrer. Akuma, il en a fait 3. 3 kills d'Akuma. On est en train de reprendre des infos. Ça y est, on a une info sur Beyaz. On a l'info, mais attention, c'est pas posé. C'est pas posé, c'est 1v2. Attention. Red Gangster qui est allé à l'agression directement pour punir Beyaz sur la hauteur. Quel round d'Akuma qui aura réussi à faire 3 kills décisifs sur l'entry side. Attention. Ouais. En plus, c'en est un qui avait pas une arme horrible. Attention. Non, on n'aura pas le kill en bas pour l'instant. T'as casqué Flow. Ouais. Voilà, c'est bon. Ok, est-ce qu'on peut prendre l'info sans... Cutez-le, je vous dis. Let's go. Oui, mon capitaine. Ah, oh, ça me fait du bien. Oui, cutez-le. Ah, ça a absolument déposé quoi. Ouais. Je fais un peu dessus, on y va. Mais du gros. Vas-y. Vous êtes prêts? Voilà. 3, 2, 1, je passe. Attention. Ah, il est plein, blanc bas. Je coupe en wall. Water. J'ai mort. C'est bon, on est bien. Tranquille. Je vais David P. Molo. J'ai smidoué. Gros side, BG, bro. Et c'est gagné. C'est gagné pour la première manche qui est l'attaque. Et ça va être un go de la part de l'équipe M8, mesdames et messieurs, avec un tacasse qui va... Dashin. Ouais, Doom, Trip, j'aime bien. 3 kills pour Mandatory. Oh, opérateur de Ghoster, j'aime bien. Tire. Tire. Oh putain. C'est le go-in donné par Akuma. Faut pas qu'il se montre. Oh putain, let's go. Là, il était obligé de se montrer, faut pas déconner. Bah. Oh putain, let's go. 3v2, mais c'est pas évident. On a qu'une seule info sur le main. Ok, il est derrière le screen. Tire. Ok, c'est bon. Nice, let's go. Quand j'ai vu Wailers décaler sur le main, comment j'ai eu trop peur, sa mère. Oh, il le fait quand même. Vas-y, bombarde. On a Akuma qui est derrière. Ok, double. Et le 3. Oh putain, le 3. Hip, il a un gros cerveau. Faut voir si ça joue pas contre lui. Pour moi, les 1v1, c'est quasiment un G2D, hein, je vous le dis. Let's go, mon capitaine. Let's go. Est-ce qu'il a pas le temps de planter, du coup? Bah, ils ont pris l'info. Ouais, voilà, c'est bien. Doublé. Il check pas à gauche. Non, t'as pas de check à gauche. Maintenant, j'ai peur. À cause de ça, j'ai peur maintenant. Ok, c'est bon, il a check. Oh merde, il a voulu la voir. Il a pas voulu grid. Allez, un kill chacun. Ace d'équipe. Ce sera un D-Tain à droite, mais faut check gauche. Ouais, logique que ça revenge gauche. Ok. Dommage pour Big Fizz. Il reste que le capitaine. 1v3. Très compliqué. Altego. Wingman. Impossible, hein. Impossible, mesdames et messieurs. Et ce sera 13-11. Faut pas être déçu. 13-11. On a bien joué. On a mieux joué que la plupart de nos matchs contre Gentlemates. Et surtout, c'est que le match aller. On va avoir le capitaine. Allô. Ouais, yo. Quelle horreur de venir t'interviewer après un 13-11.
C'est même pas sur ce match là, c'est dans tous les matchs. Je déteste faire crever, ça là. On va commencer par parler du match d'hier, ouais. Comme ça on va se détendre un petit peu. Du positif un peu, voilà, là. On va se détendre un petit peu. Ta gueule, t'as été une légende. Ok, donc hier, match exceptionnel, contre VLNT, oui. Pour moi, c'était le match important. Ça nous amène à 5 sur 9 matchs, donc les matchs allés sont gagnés. Je sais que là, t'as pas forcément le retour sur la game et que en plus, tu dois être dégoûté. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... What, ce week-end? Tu peux commencer par hier, ça va te détendre un peu, tu vas souffler. Ouais, pas long de dire. En vrai, hier, trop bien, la game se déroule sans trop de soucis. On a un peu du mal à rentrer dans le match, mais heureusement, on a un fils qui nous carry de fou, qui clutch des rounds de fou. Quand on arrive à jouer simple, à jouer notre jeu, à pas se prendre la tête, qu'en plus ça marche, en plus on arrive à clutch les premiers rounds, les mecs en face, c'est trop frustrant pour eux. Et aujourd'hui, ça commence bien. C'est vraiment une très bonne équipe et c'est toujours un plaisir de jouer contre eux en vrai parce que on doit s'adapter à chaque fois pendant la game. Il y a beaucoup d'antistrad des deux côtés, etc. Et en tout cas, c'est toujours super enrichissant, je trouve. On a une grosse progression, donc ça annonce que du bon. Maintenant, il va falloir être bon pour les matchs retour. Il n'y a pas de match facile, on l'a vu dans la ligue la semaine prochaine. On joue Solari et JL, donc ça va être encore un gros week-end. JL, ce sera donc le match retour, pour ceux qui ne savent pas. On avait déjà joué contre JL, on avait perdu. Et la semaine prochaine, ce sera le dernier match aller contre Solari, suivi du match retour le lendemain contre JL. Bon, vas-y, bonne soirée, mec. Vas-y, ciao. Pas trop d'autoflagellation, doucement sur le fouet. Non, t'inquiète. Et à la semaine prochaine, mec. Bisous. Et merci, chat. Merci tout le monde pour les petits cœurs et pour tout le soutien. Ciao. Ciao, bye bye.